Donc Kinzia, c'est une association du BBA de l'EDEC. C'est un projet qui est né en 2017 et qui est devenu une association en 2018. On a la mascotte juste ici. Et donc notre objectif et notre projet, c'est de venir en soutien à deux orphelinats en Inde, à Pondichéry. On apporte un soutien matériel avec l'envoi de colis, de fournitures scolaires et de lampes solaires par exemple. Mais maintenant on arrive sur des projets un peu plus gros avec comme par exemple le financement de nouvelles infrastructures qui vont permettre aux enfants d'avoir plus de possibilités dans l'orphelinat. Alors tout d'abord c'est 2018, donc l'année de création de l'association, ce qui fait qu'on est une association assez jeune mais qui commence à prendre vraiment de plus en plus d'ampleur. Ensuite c'est le nombre de membres actuels, donc 25, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de travail parce qu'on est quand même très peu vis-à-vis des projets. Et le dernier chiffre c'est 1340 qui est donc le nombre d'enfants qui se trouvent dans les deux orphelinats qui ont donc entre 6 et 20 ans et à qui on vient en soutien avec l'aide de notre projet. Donc notre première image c'est notre nouveau logo qu'on a changé donc en 2021 parce qu'on trouvait que l'ancien était un peu trop enfantin et on voulait assumer la prise d'ampleur de nos projets, donner un peu plus de prestance à ces projets-là. Cette deuxième photo elle représente une photo qu'on a reçue de l'orphelinat l'été dernier et donc on voit tous les enfants avec une partie des fournitures qu'on leur a envoyées et ça démontre l'impact de notre projet et de notre association. Cette troisième photo elle montre toute l'association qui est réunie ensemble lors d'un événement. Et pour moi, c'est la joie, l'unité et le plaisir de réaliser nos événements ensemble. L'impact de Kinzia, pour moi, c'est deux choses. Ça permet de montrer qu'on a un projet utile et humain, et c'est ça qui me plaît dans Kinzia.